Bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfutet.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer, à l'origine, ça devait être deux pronostics et ça ne sera qu'un seul pronostic, ce qui sera Sheffield Manchester United. Je vais vous expliquer pourquoi en vidéo et comme j'ai fait le job, je vais vous montrer les informations sur AS Rome Torino. Avant toute chose, vous savez très bien les résultats. Donc un bon résultat, le match nul, il était pas sec. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. La sécurisation aussi, les deux équipes marquent. Donc voilà, un bon match. Alors bon, ça a été quand même très avantageux pour l'Union de Berlin, puisqu'il menait quand même 2-0. Mais Stuttgart s'est bien repris, surtout en seconde période. La première période, c'était quand même haché, très brouillon. L'Union de Berlin a très bien joué la première période et a arrêté de jouer. Et c'est toujours ce que je vous dis. S'il faut mettre 2-0, il faut mettre 3. Quand on peut mettre 3, il faut essayer de mettre 4. Il faut faire mal à l'adversaire, surtout que là, ce sont deux concurrents directs. Donc il était important pour eux de bien faire. Bon, un match nul, je pense que ça arrange aussi les deux. Bon, Stuttgart est bien revenu. Donc les deux équipes ont quand même bien joué, mais chacun dans sa partie. Union de Berlin, première mi-temps, seconde mi-temps pour Stuttgart pour revenir. Donc un match intéressant. Bon, je vous avais montré, je vous ai dit de rester à l'écart sur Nancy 3. Bon, je voyais match nul remboursé 6-3. Bon, ça aurait été un match remboursé. Donc c'était un match quand même un petit peu fou. Donc voilà. Bon, par contre là, ben voilà, l'alerte algo ne s'y trompait pas en fait. Match nul de la Lazio. Les cotes étaient surcoté sur la Lazio. Moi je les trouve vraiment surcoté la Lazio. Là voilà, match nul, donc j'ai préféré vous dire de rester à l'écart. C'était quand même un bon avis. Des fois vous voyez, il n'y a pas forcément de pronos. C'est comme je vais vous dire en seconde partie sur le match AS Rome Torino. Vous allez voir pourquoi je vous dis qu'il n'y aura pas de pronos. C'est pas uniquement la cote non plus qui est en train de descendre, bizarrement. N'oubliez pas pour aujourd'hui Arsenal Southampton, Liverpool Tottenham, et puis on a en Italie Parme Cagliari. Donc c'est la vidéo d'hier, et donc aujourd'hui je vous propose Sheffield Manchester United, et puis en seconde partie je vais quand même vous donner les données sur ce match AS Rome Torino. Donc voyons voir de suite. Donc pour ce qui est de Sheffield Manchester, donc Sheffield c'est la lanterne rouge. Alors je vous rappelle aussi que dernièrement, bon, j'ai quand même fait passer une lanterne rouge, le prono contre une lanterne rouge qui est passée, mais avant ça il y avait eu 4 pronostics et j'avais réussi à passer qu'un seul bon résultat. Bon, là, sur 5 pronos avec les lanternes rouges, j'ai réussi à en faire passer 2. J'espère que ça sera le troisième. Donc là, c'est très, très terne. Le club est en crise. Je vais vous montrer très peu d'informations sur Sheffield parce que, en fait, il n'y a pas de communication. En fait, je ne communique pas sur leurs blessés. Ils communiquent sur rien, en fait. C'est très difficile avec cette équipe. Donc, ils ont 1574 points et le rating. Donc, ils ont marqué qu'un seul point. Ils sont 20e. Manchester United, attention, c'est un match important pour eux. Donc Manchester doit pouvoir se rapprocher des places européennes, surtout en gagnant ce match. Ils ont 20 points, ça les ferait revenir à la 4e place. Donc 9e avec 20 points, ils ont 1928 points et le rating. Voyons voir le face-à-face. Donc voilà, aucun match gagné. C'est la crise de chez crise côté Sheffield. Alors qu'ils avaient fait une bonne dernière fin de saison. Et moi, je m'étais aussi un petit peu... Je les avais mis sur mes tablettes un peu parce qu'ils avaient montré certaines choses intéressantes. Ils ont fait match nul à 8% et ils perdent à 91%, qui n'est pas 100%. Les overs à 41%, les under à 58%. Ils marquent en premier à 16%, ils encaissent en premier à 83%. Évidemment, 100% de perte sur cette équipe. Pour ce qui est de Manchester United, ils gagnent à 54%, ils font match nul à 18% et ils perdent à 27%. Ils font des overs plus 2,5 buts à 63% et d'under à 36%. Ils marquent en premier à 27%, ils encaissent en premier à 72%, ce qui est quand même assez étonnant pour cette équipe. Un petit rendement de 3,45. Bon, ça va beaucoup mieux depuis les 5 derniers matchs. Ce qui peut être un petit peu gênant, ce sont les déclarations, c'est jamais bon au niveau d'un club, déclaration de Pogba, enfin de son agent,
Mais bon, c'est négatif, c'est des choses négatives. Et Pogba doit jouer pour. Il a sa place en équipe de France, donc il faut qu'il fasse attention quand même. Sheffield n'a toujours pas gagné. Par contre, Manchester United, d'autant plus, est meilleur à l'extérieur. C'est surtout à domicile qu'ils perdent leurs points. Bizarrement, ils restent quand même sur 5 victoires, hein, ce qui est quand même pas rien. L'historique des confrontations, Sheffield n'a jamais gagné contre Manchester depuis 2 saisons. Enfin, c'était 2019-2006. Je dispose que des 11 dernières saisons. Voyons voir les informations sur ces équipes. Donc, l'alerte Algo nous détecte le 2 et il nous détecte une value bête à partir de 1,37 sur le 2. Donc, si jamais la cote descendait jusqu'à 1,37, c'est encore value. Voilà ce que ça veut dire. Côté absent, bon, alors là, attention à une crise de communication. Sheffield, j'ai fait très peu de regroupements. C'est le regroupement des dernières feuilles de match avec un joueur incertain qui a été déclaré quand même. C'est un attaquant et 2 défenseurs qui sont blessés. Donc là, c'est très très improbable sur les informations. Il n'y a rien qui transparaît, pratiquement rien en fait, au niveau des dépêches, au niveau des actualités de Sheffield à l'étranger, enfin surtout en Angleterre. Là, j'ai pratiquement le vide complet. Hein. Côté Manchester United, donc une petite incertitude côté de Cavani et puis Phil Jones qui serait absent, mais ça, c'est un absent de long terme. Bon, ce qui est un peu gênant, je pense que du coup, Martial va être titularisé hein, en début de match. Pogba va être certainement mis un petit peu à l'écart, je pense. Je pense que ça passe très mal localement, hein. Ça fait beaucoup de bruit. Bon, il l'a fait à plusieurs reprises. Enfin, là, c'est son agent en fait qui a fait du bruit. Mais bon, ça sert à rien, je pense. Et puis, lorsque vous êtes sur une optique de comme ça, où vous devez partir, où vous savez que vous partez. Moi, je pense pas que vous soyez à 100% et que vous vous donnez à 100%, même s'il reste professionnel, certes, mais je sais pas. Moi, je trouve que c'est très maladroit. Alors, les statistiques. Sheffield a été battu lors des 7 derniers matchs de toute compétition. Sheffield n'a gagné que 3 des 24 derniers matchs de toute compétition. Sheffield a perdu 14 des 16 derniers matchs en championnat. Donc Sheffield n'a réussi à marquer que 2 buts dans ses 7 derniers matchs à domicile de toute compétition. Sheffield a été battu à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire dans 4 des 6 derniers matchs. Sheffield a concédé au moins un but lors des 15 derniers matchs de championnat. Et le nombre moyen de buts concédés par Sheffield est de 1,75. Pour ce qui est de Manchester, Manchester est une série de 12 matchs consécutifs à l'extérieur où ils sont invaincus. Et Manchester United n'a pas perdu dans 22 des 25 derniers matchs en Premier League. Manchester United a remporté 12 des 24 derniers matchs avec une marge de 2 buts et plus. Dans leurs 16 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, Manchester United en a remporté 13 d'entre eux. Manchester a réussi à marquer un but et plus lors des 24 derniers matchs à l'extérieur de toute compétition, lors des 11 derniers matchs à l'extérieur de Manchester United de toute compétition, il y a eu plus 2,5 buts. Donc les probabilités nous donnent, le BTS nous donne le non à 1,62, donc ce n'est pas value parce que à 60% ça fait 1,66. Il nous donne le over, effectivement. La cote à 62%, la cote ferait 1,61 et là on nous propose 1,64. Donc c'est limite value. Pour ce qui est des répartitions, 13% pour la victoire de Sheffield, 15% pour le match nul, 72% pour la victoire de Manchester. Donc à 1,42, donc c'est value. Donc c'est ce que je vous propose, le 2 à 1,42, donc c'est value, hein. Donc vous savez très bien, j'apprécie pas forcément ces cotes, je préfère des cotes autour de 2, mais là il y a une petite marge de value, donc on peut la prendre comme ça. Donc voilà, hein, petite marge de value, 72%, ça fait une cote de 1,38, c'est conforme par rapport aux statistiques, par rapport à l'effectif et autres, donc effectivement une petite marge de value, bon c'est toujours bon à prendre, ça me plaît pas par rapport
à la cote moyenne, parce que ça va me faire baisser ma cote moyenne. Bon, mais là, ça m'intéresse par rapport au taux de réussite, donc ça va remonter le taux de réussite si effectivement Manchester gagne. Bon, c'est limite aussi, pourquoi pas, le over, hein. Il est limite value aussi, à 1,61. Bon, donc voilà sur ce match, le 2 à 1,42. Donc maintenant, je vous montre quand même pour l'AS Rome Torino. Je ne vais pas vous montrer les classements, mais l'alerte algo rapidement nous détectait le 1 qui est value à partir de 1,22 selon l'alerte algo. C'était assez conforme, mis à part Mancini qui est en défense, qui est absent côté Rome. Verdi côté Torino en attaque qui serait absent plusieurs semaines, sinon ça reste conforme. Je vous laisse les statistiques si vous voulez regarder, faire un arrêt sur image ou une capture d'écran pour Rome. Donc c'était assez conforme, sauf qu'il y a une information que je me suis aperçu en toute fin de mon analyse. Pareil pour Torino, c'est assez conforme, hein. Un petit peu de difficulté quand même pour Torino, qui a été longtemps sur mes tablettes, hein, pendant des années. Les probabilités nous donnent oui à 71% les deux équipes marquent, qui est une cote à 1,48, et c'est là où en fait ça me gêne. Le over à 65%, donc là c'est quand même massacré à 1,30. Et là quand même les probabilités nous mettent 67%. Et là c'est gênant pour la cote. Voilà, la cote est un peu trop basse, il nous faudrait une cote autour de 1,50. Donc c'est pas value. Alors ce que je voulais vous proposer, c'était les deux équipes marques, 1,48, qui me semblaient effectivement intéressantes ben, lorsque j'ai fait l'étude et l'autre. Mais le problème, c'est que je me suis aperçu au dernier moment, c'est que à domicile, Rome a fait 5 clean sheets sur ses 6 derniers matchs. Donc franchement, je préfère pas. Et puis en plus, bon, Rome vient de encore descendre à 1,38, donc pas value. Donc franchement, faites ce que vous voulez. Torino, effectivement, peut avoir l'animation offensive pour marquer. Mais quand même, à domicile, Rome est quand même mieux et 5 clean sheets. Donc restez à l'écart. C'est vraiment. Il y a d'autres opportunités. On a des matchs tous les 3 jours. Là, ça va pas arrêter. Jusque début janvier, le Boxing Day plus début janvier les matchs, hein, il n'y a pas d'arrêt, il y aura d'autres opportunités, le mieux c'est de rester à l'écart. Donc voilà, si vous avez des questions en commentaire, et surtout ne les effacez pas, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait demandé des informations sur Leeds Newcastle. Bon, je ne vais pas donner à chaque fois refaire une étude de match, je l'avais mis à l'écart, mais bon, j'avais pris le temps quand même de chercher les informations, de reprendre mes données, mais bon, je ne trouve plus le commentaire, donc je pense que la personne a dû effacer son commentaire. Donc je suis un petit peu noyé dans les commentaires, donc faites attention. Si je ne réponds pas, c'est que c'est pas que je ne veux pas répondre, c'est qu'à mon avis, je n'ai pas vu le commentaire, hein. Donc voilà, un petit like si vous avez apprécié et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci.